C'est la troisième participation là au Quai 54. Voilà, on est très attendu après notre finale l'année dernière. Donc voilà, ils nous ont mis une grosse équipe pour commencer. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet, ça tombe bien. On est tous un peu excités à l'idée de commencer, tu vois. Voilà, on se prépare tranquillement, on va aller s'échauffer et puis voilà, on est prêt. Man, you know, we ready, man, you see. Congo team, baby. We going to the final. On a repris un peu de sensations, on a pris ce premier match. Voilà, c'était pas facile parce qu'au début on avait un peu de mal à démarrer. On a réussi à trouver des faiblesses en face et du coup on a fait ce qu'on savait faire. Hein. On a joué dur, jeu intérieur et ça a payé. Donc voilà, premier match gagné. Maintenant c'est que le début, il y a encore beaucoup de matchs, encore beaucoup d'équipes. Donc là on va se reposer, on va voir contre qui on va jouer après. Il se bat en léger, franchement c'était plus facile que prévu les gars. T'en penses quoi toi? Un match
un match qu'on a su prendre, bon, on savait ce qu'on devait faire. Heureusement qu'on est sorti hier soir, hein, sinon on aurait mis 40, frère. Félicitations. Ok, on a fait, vous avez fait le job. Physiquement, en face, ils nous ont mis une vraie opposition, ok, par rapport à l'année dernière. Mais on a su répondre présent, ok. Mais là, j'ai aimé parce que derrière, quand vous êtes rentré, tout le monde a eu la dalle. Moi, j'ai une équipe comme ça. Ça marche? Ouais. Allez. Allez. Faut me le donner. C'est bon déjà. Le monde est méchant. Ouais. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Et ouais, on vient recouvrir nos pères maintenant là. Attends. Allez. Allez, il va. Destro, tu dis ça? En bon ou pas? Tu dis ça? Accordé? Accordé? Bongo? La même chose? La même chose. Il faut faire qu'on fasse attention surtout à ne pas rentrer dans leur jeu, à communiquer, à parler systématiquement. Après, on doit mettre pas de lumière, on doit mettre de la dureté. Ok? De la dureté dans tout ce qu'on fait. Si on fait des prises à deux, on fait des prises à deux avec agressivité. Ok? Quand on vient fermer dans les aides, on vient vraiment fermer. Quand on va au rebond, on va au rebond tous ensemble. Deuxième jour. Deuxième jour, on va jouer contre l'Espagne. Voilà, c'est une équipe qui a bien joué hier. On les a regardés un peu. Maintenant, on sait ce qui nous attend. On sait que c'est jamais facile de jouer contre les Espagnols, mais on le sent bien. L'équipe est en forme. Tout le monde est prêt, tout le monde se prépare bien. Je pense qu'on est dans un bon mood. Hier, ça, quand on gagne le premier match, je pense qu'après, on est plus confiant. Là, on est dans un match, on sait, contre des Espagnols qui ont été solides. Donc après, là, ça nous fait le taf. On sait où on est fort, à l'intérieur. Du plaisir aujourd'hui et ça va rentrer dans l'ordre dans la tête.
méchant. C'est validé, c'est validé. On a dit cet arrêt là avec nous. On est venu le matin, on s'est réveillé, on était un peu KO, mais bon, on a fait le job. Là maintenant, en demi-finale, back to back ou pas? C'est finale ou rien, c'est bon ou pas? On était confiants, après on sait que c'est toujours dur de jouer contre les Espagnols. On est venu avec de la concentration, on était focus. Maintenant voilà, rendez-vous en demi-finale. Dans le bon, job done, c'est validé. Non, cassé, gros. Je crie trop sur Pierre. Bien joué les gars, c'est un match pas facile. Match très difficile. On a mis la balle en bas, manque d'adresse, mais on a fait le job. Élite, toi quoi ? Demi-finale, on était l'année dernière, ok, on se rappelle. On avait mal commencé, puis on était revenu grâce à l'énergie. Ok, en attaque, il faut qu'on arrive à mettre la balle à l'intérieur. Élite, combo ! Il est dans le bon. Yes. Demi, demi, demi. Ok, ça c'est joué à rien, comme il a dit après, des petites paires de balles, deux points de balles qui va compter. Ok, c'est vraiment des détails. En tout cas, je suis fier de l'énergie que vous avez mis. Ok, la volonté, l'énergie, ça passe à rien pour tourner en finale. Ok, donc voilà, félicitations à tous. L'année prochaine, ça passera. Allez, on va devoir les jeux, frère. Allez les gars, on est en mode 3 sans faire un gros match. Élite, on sort là en demi-finale. Après un gros match, je pense qu'on a montré une belle opposition tout le week-end. Les mecs ont montré de la solidarité. Donc c'est cool, ça joue à des détails sur la demi-finale. C'est le basket, c'est le sport. Mais en tout cas, fiers des mecs. Ils ont, je pense, bien représenté le maillot, bien représenté le projet. Donc voilà, en espérant qu'on avance sur la suite. Déjà, je tiens à dire merci à toute l'équipe qui a réalisé ce reportage et ou ce documentaire, on dira. C'est une chance énorme pour le Congo. Je tiens toujours à faire la distinction entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous, on est un petit pays. On essaye de faire avec nos moyens. On a là une grande star locale qui a montré ses preuves en NBA, c'est Serge Ibaka. Et depuis Serge Ibaka, il n'y a plus personne. Donc c'est vrai qu'avant de rentrer dans les détails, l'objectif sur du court, long, moyen terme,
c'est de trouver le prochain Serge Ibaka ou la prochaine Serge Ibaka. Pour resituer un peu dans le temps, on est, je pense, à peu près un mois et demi après le Quai 54. Moi, je dis merci, merci aux gars de tout le travail qu'ils ont fait. Il faut savoir que quand on a commencé le projet il a eu lieu en 2021, c'était le premier rassemblement. Le premier rassemblement, on était 8, on a galéré pour faire du 55. Et là, on nous contacte. Et aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, j'ai des gens, des Congo-Brazzaville, qui me contactent d'Écosse, de Londres. Et donc, moi, ça me fait plaisir en tant que président parce que c'est tout un investissement. Je fête mes 40 ans en plus aujourd'hui. Donc, quelque part, ça pique, mais quelque part, ça fait aussi du bien. Parce que je vois que ça avance. Maintenant, je remercie aussi Amadoune. J'ai pas toujours l'occasion de lui dire merci, mais je remercie Amadoune, je remercie l'équipe du Quai 54, parce que j'avoue que sans eux, tout ça n'aurait pas été possible. Après, évidemment, il y a tout le travail derrière, le travail de mon équipe, de France Laure, qui est devenue coprésidente, le travail du graphiste, le travail du coach et le travail des joueurs, à qui vraiment je dis merci. Je salue la performance de cette année parce que c'était pas évident à venir dans un contexte où tu as les JO, où tu n'as pas de place pour venir au quai, enfin, c'était très compliqué. On a dû faire une préparation catastrophe. D'arriver à aller jusqu'en demi-finale alors que tu es finaliste, tout le monde t'attend, tout le monde veut te taper. Moi, je dis vraiment bravo les gars. Vous savez le président que je suis, je gueule. Je suis pas toujours cool avec vous, mais on le fait pour le pays. Aujourd'hui, depuis 2017, on n'a plus d'équipe nationale. Il y a beaucoup de problèmes. On aurait dû organiser la Coupe d'Afrique. On ne l'a pas organisée. Du coup, on a une amende. Les autorités ne font plus rien parce qu'il y a un conflit entre le ministère des Sports et la fédération. Moi, dans ce conflit-là, j'ai envie de vous dire, je vais faire des gestes parce que moi, je bouge beaucoup. Je rentre là et je dis, OK, les gars, tranquille. On est là, mettons-nous tous ensemble sur la table et on discute. Nous, on a la chance et l'opportunité d'être en Europe. C'est-à-dire que tu es là, tu as accès à Internet, tu vois des choses, tu rêves et c'est cool. Et en Afrique, il n'y a pas, tu es là, tu rêves devant des pierres. Et moi, j'aime bien, mon oncle, il me dit souvent, au pays, on a tellement léché les pierres qu'elles n'ont plus de goût. Donc, on ne les oublie pas et on a un devoir. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers cette équipe nationale. Mais pour ça, il faut des plateformes comme le Quai pour montrer que non seulement on a du niveau, on a du talent, mais de le montrer concrètement, que ce talent se matérialise sur le terrain. L'équipe nationale, ça reste l'objectif. Maintenant, il faut qu'on soit tous main dans la main à travailler ensemble vers cet objectif d'équipe nationale.